Ok les petits loups, donc 8e épisode, donc aujourd'hui, montage des cale-pieds, montage des durites de frein, montage de l'étrier de frein arrière, et puis bah, ça sera déjà pas mal, et puis on va essayer de monter d'autres petites pièces. Allez, action, c'est tout de suite. Allez, on va commencer par ce petit cale-pied là, gentiment, tranquillement. Alors un petit peu de graisse sur le filetage, ça peut pas faire de mal, donc ça, on peut tirer correctement. Ok, on a démonté tout le système, on va mettre de la graisse dedans, des organes qui sont régulièrement dans la bouillasse, dans l'eau, dans tout ça, donc ça peut pas faire de mal, un peu de graisse. Hein. Ces pièces n'ont pas été repeintes, parce que d'origine elles sont pas peintes, hein. C'est juste des pièces qui sont brunies. Donc la rondelle, voilà, la pédale de frein ne couinera pas. Donc installation de la pédale de frein et du cale-pied, bien sûr. Si jamais il y a des choses que j'ai pas été assez dans les explications, que j'ai pas approfondi assez la chose, genre le moteur que j'ai pas ouvert étant donné que il n'y avait pas besoin sur ce coup là bah vous n'hésitez pas à me laisser des messages, me dire, hein, que vous auriez aimé voir plus ça, et puis bah au prochain coup j'essaierai de faire pour le mieux et d'aller dans le même sens de ce que vous avez besoin. Voilà, là sur ce, c'est un petit peu le premier coup que je faisais une série comme ça, donc mine de rien il y a du boulot, hein. C'est pas que le remontage, il y a un gros boulot niveau vidéo. Pour ceux qui font du montage vidéo, vous devez savoir ce que c'est, hein. Tout le système de freinage pour l'arrière, on voit pas grand chose, c'est vrai, je vous l'accorde. Bon, si ce n'est que je remonte les durites de frein. Alors oui, par rapport à certains qui m'ont posé la question, la machine sera peut-être à vendre prochainement, hein. C'est du petit, hein. Ça c'est la clavette, hein. Vous voyez que c'est... Si je refais une machine, il n'y aura pas qu'une caméra, il y aura plusieurs caméras, comme ça vous aurez plusieurs angles de vue sur la machine. Là c'est vrai, j'ai mis qu'une caméra. Je voulais essayer de faire justement un plan fixe d'un bout à l'autre pour voir ce que ça pouvait donner au niveau de la machine, quoi. Voir l'évolution de la machine tout en étant sur le même plan niveau caméra. Ok, étrier de frein arrière. On va même mettre un petit peu de l'optique, hein, sur les deux vis de l'étrier. Voilà, je rebranche la durite sur l'étrier de frein. Donc on n'oublie pas qu'il y a un petit joint en cuivre au-dessus, en dessous. Donc là, pareil, on visse, mais pas comme un Brutus. Hein. La vis qui tient la durite, ça ne sert pas comme un Brutus. Ah, je vous avais dit qu'on les remonterait pour fixer la platine qui tient la durite de frein qui passe du souple au rigide. Ok, donc installation du guidon. Allez, allez, allez. Viens aller par ici. Donc, déjà se poser là pour se baser un petit peu à tout ça. Alors. C'est le frein arrière. Le frein à main. C'est le frein à main. Tac. Bon là c'est pas grand chose, c'est un passage de câble. Voilà. C'est mieux comme ça. Continuerai au sponté bire. C'est pour un guidon de 22. Et c'est du 35 de haut. Comme ça vous avez toutes les infos. Bon, ici ça sert pas comme des fous. Hein. La colonne de direction, ça ne se sert pas comme des fous, même si... Comme je vais pas le serrer comme un fou, je vais mettre un peu de l'optique dessus. Et puis après, il y a les petites pièces à tordre, hein, pour pas que ça se desserre. Là, je vais mettre un petit peu de l'optique. Un petit filet. Par sécurité, comme ça permet de ne pas avoir à tirer
comme un Brutus. Voilà ce que je veux dire, les rehausses pontées là, c'est du 35, hein. Faut pas aller plus haut, hein, parce que la durite souple de frein. Bon là ce qui fait du bruit c'est la protection qui est autour. Mais ça étire un peu sur la gueule, bon. Ça sera contrôlé de plus près ça. On va redresser les petites pattes là, pour empêcher que ça se desserre. Donc là avec un gros tournevis, un maillette toujours, hein, on tape jamais avec... Le câble là, je le verrai plutôt passer en dessous. On va se pomper là. Oui, ça va. Vous voyez, dès qu'on fait des modifications sur un véhicule, hein, juste les rehausses pontées, ça peut engendrer beaucoup de boulot et de changement de pièces. Hein, les câbles qui sont trop courts, machin truc. On ne mettra pas les rehausses pontées. Voilà, j'aime pas les choses qui sont qu'à moitié. Ça tirait trop sur la durite de frein. J'ai pas de possibilité si ce n'est la changer. Je veux pas la changer. On part dans des modifications. Sur les rehausses pontées, on achète ça, pensant rehausser un peu le guidon. Et puis là, bah. Alors là, c'est du 35, donc il en existe des plus petits. Peut-être que du 20, ça aurait passé. Là, l'accélérateur, lui. Ça c'est l'accélérateur, je vais y mettre un peu de dégrippant dedans, ça peut y faire que du bien. Voilà. Rendre l'accélérateur encore plus souple. Hop là! Nickel! On va régler ça de façon à ce que il y ait un petit peu de jeu sur le câble. Un petit peu de jeu sur le câble d'accélérateur, hein. Ça je pense que vous le savez, toujours un petit peu de jeu sur le câble d'accélérateur comme sur le câble d'embrayage. Ok les petits loups, donc pour aujourd'hui c'est terminé, je vous dis à dans 3 jours, ciao bye bye.